Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous suivez ce matin. Vous savez, la sixième édition des journées scientifiques du CAMES a démarré depuis hier. C'est du 11 au 14 mars jusqu'à jeudi. Donc, hier matin, après la cérémonie d'ouverture, il y a eu la conférence ministérielle avec les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, du Congo et du Gabon. Une conférence qui a ensuite été suivie de panels thématiques. Et là, sur ce plateau, ce mardi matin, je suis sur un plateau de télé de circonstances. Je reçois deux éminentes personnalités. L'une est le secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, Monsieur Souleymane Konaté. Le CAMES, hein, c'est eux qui portent cet événement d'envergure. Et la deuxième personnalité sur ce plateau, c'est bien le premier responsable de l'INPHP, le directeur général de ce prestigieux établissement qui accueille cet événement d'envergure, Monsieur Abdoulkader Moussa Diaby. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pu accepter notre invitation. Merci donc à tous les deux de vous prêter à l'exercice. Je signale que nous sommes en direct des plateformes digitales de l'Institut, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, et bien entendu sur la page officielle du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, mais aussi sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci à vous de nous prendre en marche. Merci d'être avec nous. Tout cela est rendu possible grâce aux équipes techniques de toutes ces structures que je viens de citer. Monsieur le secrétaire général, je vais démarrer par vous. Hein. D'entrée de jeu, parlez-nous du CAMES. Qu'est-ce que c'est que ce conseil? Merci, Monsieur Anzadadi. J'en profite pour également remercier les autorités, les plus hautes autorités ivoiriennes, pour avoir accepté d'abriter cette activité statutaire très importante du CAMES pour la énième fois, je dirais. Aussi, je remercie l'INPHB et son DG pour aussi avoir accepté de s'être associé au CAMES pour organiser cette activité très importante. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, il faut savoir que c'est une institution académique inter-État d'intégration africaine et qui a été créée en 1968 à Niamey par 16 chefs d'État africains. Et l'objectif était justement assigné à cette institution, c'était de développer la solidarité et la coopération scientifique entre ces différents États en vue d'impulser leur développement socio-économique. Il faut savoir que le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, c'est aujourd'hui, en termes de chiffres, 19 États membres appartenant à quatre régions africaines, la région de l'Afrique de l'Ouest, la région de l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs et la région de l'océan Indien. Le CAMES est également environ un réseau de plus de 200 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Le CAMES est également plus de 15 000 enseignants-chercheurs et chercheurs inscrits régulièrement sur la plateforme de cette institution. Et enfin, le CAMES, c'est près de 3 000 évaluations scientifiques par an. Ce qui fait donc l'unicité du CAMES, c'est que le CAMES apparaît donc comme une véritable agence régionale d'assurance qualité et également d'accréditation au niveau des formations et des individus. Le CAMES, c'est aussi, il faut le dire, unique en ce sens que c'est un système d'évaluation des Africains par leurs pairs africains, et cela depuis 56 ans. Le CAMES, enfin, ce qui nous rend unique, c'est que dans le monde entier, on peut considérer le CAMES comme le plus grand espace de mobilité académique. Pour revenir un peu à votre question sur le CAMES, je dirais également que nous pouvons considérer aujourd'hui le CAMES comme une fierté africaine. Et on pourra aller plus en détail par rapport au programme statutaire du CAMES, c'est-à-dire que le fonctionnement du CAMES est basé sur 8 programmes statutaires de manière générale. Il y a certains qui sont bien connus et d'autres moins. On a le premier programme statutaire du CAMES qui est le comité consultatif interafricain, les CCI, qui sont constitués par les comités techniques spécialisés, les CTS, il y en a 8, qui évaluent chaque année
les dossiers des enseignants chercheurs et des au fait de pouvoir disons participer à leur promotion aux différents grades sur les listes d'inscription donc du CAMES. Ensuite, nous avons un autre programme, je dirais deux programmes prestigieux, ce sont les concours d'agrégation. On a le concours d'agrégation en sciences de la santé qui est organisé tous les 2 ans, les années paires, et le dernier a eu lieu d'ailleurs en Côte d'Ivoire en 2022. Et puis nous avons un autre concours prestigieux, c'est le concours d'agrégation en sciences sociales et en sciences de gestion, dont le dernier a eu lieu l'année dernière, en 2023, au Cameroun, qui est organisé tous les 2 ans, mais les années impaires. Donc, vous avez également d'autres programmes qui sont très intéressants, tels que le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du CAMES qu'on appelle le PRED, qui est vraiment le programme phare qui permet donc l'accréditation des formations, mais également qui peut aller vers l'accréditation des établissements et qui est très important pour accompagner également les établissements pour leur système d'assurance qualité. Et justement, le cinquième programme, c'est le programme d'assurance qualité. On a aussi un programme dédié aux jeunes qui est qui sont les Olympiades universitaires du CAMES, qui sont organisées aussi en fonction de la recherche et pour inculquer, cet esprit de la recherche au niveau des jeunes, des doctorants, etc. Et puis, nous avons un programme dont nous sommes très fiers, qui était ensemble depuis 2012, qui est le programme Silhouette, la dématérialisation du CAMES. Tous nos programmes, maintenant, sont en bimodal. Et cela depuis 2012. Ce qui a fait que le Covid n'a pas affecté les activités du CAMES, parce qu'on est tous déjà dans le bimodal. Et enfin, le 8e programme, c'est vraiment le programme thématique de recherche du CAMES dont nous allons parler incessamment. D'accord. Et qui, dont on va parler parce que ce sont ces programmes-là qui, soutiennent les journées scientifiques du CAMES. Justement, j'allais en venir, les journées scientifiques du CAMES auxquelles on assiste depuis hier, et c'est à l'INP de Yamoussoukro, ces journées-là. C'est la 6e édition, monsieur le secrétaire général. Quels sont les enjeux, justement, de ce événement? Vraiment, les journées dire, c'est un peu, pour moi, forum, rencontre et d'échange, qui permet, notamment au programme thématique de recherche et à l'ensemble de la communauté académique et scientifique, de faire l'état des lieux de la recherche dans notre espace commun. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, il y a un autre objectif qui est le renforcement des capacités des jeunes. Parce que il faut vous dire que nous avons plus de, cette année, 1185 participants, dont 500 en ligne. Et la grande majorité, ce sont des doctorants. Donc, c'est vraiment un objectif de renforcement des capacités des jeunes doctorants. Et enfin, c'est de renforcer le réseautage entre la communauté scientifique des chercheurs autour des thématiques importantes de recherche qui peuvent impulser le développement. Donc, pour revenir aux enjeux des journées scientifiques du CAMES, pour continuer dans la même veine, il faut savoir que les journées scientifiques du CAMES ont été lancées en 2013. D'ailleurs, ici en Côte d'Ivoire, à l'Université Félix Fabry, c'était la première édition. Le but, c'était aussi, quelque part, de renforcer ce axe sur la recherche, parce que le CAMES, c'est l'enseignement supérieur et c'est la recherche. Et je pense que le CAMES a vraiment rempli ses missions et continue à remplir ses missions sur le côté enseignement supérieur à travers l'évaluation et la promotion des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Mais le côté recherche était un peu négligé. Et donc, les programmes thématiques de recherche et les journées scientifiques du CAMES sont venus pour renforcer ce volet. Et donc, pour revenir donc à ces programmes thématiques de recherche et pour parler donc des enjeux des programmes thématiques de recherche du CAMES, il faut d'abord savoir que la recherche scientifique a pour principal objet de produire de la connaissance. Alors qu'on sait aussi que cette connaissance, normalement, peut participer à la formation, disons, de cadres de qualité, mais elle peut participer également au développement durable du pays, et d'où la thématique que nous avons choisie, recherche scientifique et innovation pour le développement durable en Afrique, enjeux et défis pour l'enseignement supérieur. Et donc, cette thématique a été choisie avant les siens. C'est-à-dire que la recherche que nous faisons, nous voulons que ce soit une recherche qui impacte réellement la société. Et donc, les enjeux sont que, malheureusement, quand on regarde dans le monde entier, les pays qui sont les plus avancés, qui sont les plus forts, ce sont les pays dont l'économie est basée sur la connaissance. Connaissance à travers, notamment, l'innovation. L'innovation qui est fondée sur la recherche de manière générale. Et on se rend compte qu'également que les pays africains, malheureusement, n'investissent pas suffisamment dans la recherche. Et la prise de conscience a été faite il y a très longtemps, depuis 1963,
disons, à la conférence de l'Union africaine, au lancement de l'Union africaine, où Kwame Nkrumah avait attiré l'attention sur l'importance de la recherche scientifique. Ensuite, il y a eu Lagos, 1980, où l'Union africaine s'est rendue compte que pour vraiment impulser le développement, pour que nous ayons un développement vraiment basé sur la recherche, comme tous les pays avancés l'ont, il fallait investir au moins 1% du PIB des pays dans la recherche. Aucun pays africain ne réussit à le faire, pour l'instant. Mais quand on se compare à des pays qui sont très avancés, l'Allemagne nous a dit hier qu'ils investissent 3,1% de leur PIB, ils sont en train de monter à 3,5%. La Corée du Sud, c'est 4%. Mais donc, il est temps que nous prenions conscience. Et donc, les enjeux sont là. Il faudrait que nous arrivions à prendre conscience du fait que notre développement, notre économie doit être une économie basée sur le savoir et sur la connaissance. Et donc, il faut investir dans la recherche pour pouvoir avoir un développement durable. Et c'est ça tous les enjeux de ces journées scientifiques. Et c'est pour cela que nous avons essayé d'innover avec ces sixièmes journées scientifiques pour en faire les meilleures journées scientifiques jamais organisées, comme le slogan le dit en Côte d'Ivoire. Et cela en structurant ces journées scientifiques en trois phases essentiellement. La première phase, c'est la gestion de la recherche. Parce que la recherche se fait dans les laboratoires, mais une bonne recherche va être bien gérée. Et la gestion de la recherche, c'est l'affaire des ministres en charge de la recherche. Et donc nous avons fait, et merci à vous d'avoir animé aussi de manière si brillante cette conférence ministérielle introductive, qui avait pour but justement de regarder, de faire l'état des lieux de la politique, des politiques nationales en matière de recherche, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, en vue d'aller vers une harmonisation et vers une politique ambitieuse à l'échelle des 19 pays. Et donc, la première journée, c'est ce que nous avons fait. Cette conférence ministérielle nous a permis de remarquer qu'il y a effectivement, mais qu'on allait vers une harmonisation. Voilà. On va revenir sur cette première journée. Vous allez nous en faire un bilan. Mais avant, je vais me tourner vers le directeur général de l'INPHB. L'INPHB, cet institut qui accueille l'événement. En quoi c'est important pour vous, monsieur le directeur général, que ce gros événement sur la recherche se déroule ici, en Côte d'Ivoire, non seulement, mais ailleurs, moi, je crois, à l'INPHB. L'opportunité que vous nous donnez justement de vous exprimer sur cet événement important qui se déroule au sein de l'INPHB. Ben, vous savez que on dit l'INPHB, c'est les grandes écoles de Yamoussoukro. Les grandes écoles de Yamoussoukro, on va dire dans son fondement, ces écoles ont été créées par le président Félix Houphouët-Boigny pour former des techniciens et des ingénieurs pour accompagner le développement, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire et le développement socio-économique de notre pays. Et donc, dans sa phase de création et sa phase même de maturation, l'Institut n'était pas connu pour ses activités de recherche. Et je dirais même, dans ses statuts jusqu'en 1996, l'Institut n'avait pas véritablement de vocation à la recherche. Et puisqu'il s'agissait de former d'abord des techniciens et des ingénieurs de haut niveau pour accompagner l'industrialisation de notre pays. En 96, il y a eu la fusion des ex-grandes écoles, d'une part, et puis il y a eu le recrutement de plusieurs enseignants-chercheurs qui avaient étudié un peu partout en Europe, en Russie, dans plusieurs pays, et qui sont venus au sein de l'INPHB, et qui ont commencé à développer progressivement l'activité de recherche. Jusqu'à ce que, finalement, au sein de l'INP, il y ait finalement de fortes activités de recherche qui se mettent en place. Et ces activités de recherche étaient menées par nos enseignants-chercheurs en collaboration avec des formations doctorales et des centres de recherche d'universités, notamment l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Nanguya-Brogois, qui étaient finalement les universités partenaires avec lesquelles nos enseignants-chercheurs menaient leurs activités de recherche. En 2013, nous avons décidé de créer au sein de l'INPHB une école doctorale de sorte à pouvoir former ici à l'INPHB des jeunes dans les filières doctorales selon les spécialités de nos enseignants-chercheurs sur place et
En plus de cela, nous avons réorganisé un peu l'activité de recherche au sein de l'Institut pour créer des unités mixtes de recherche et d'innovation. Les derniers statuts de l'INPSV qui ont été adoptés en 2023 viennent confirmer, institutionnaliser quelque part les unités mixtes de recherche et d'innovation et faire justement de l'INPHB un centre, un pôle d'innovation et de recherche. Donc je dirais que l'activité de recherche au sein de l'INPHB, elle est certes ancienne, mais l'organisation et le cadrage de la recherche au sein de l'INPHB a à peine 10 ans. Nous avons fêté, célébré les 10 années d'existence de notre école doctorale de l'INPHB l'année dernière, pour marquer justement que l'Institut était rentré finalement commencer à investir massivement dans les activités de recherche. Pour nous, donc, le fait de recevoir le CAMES ici à l'INPHB et surtout abriter ces journées scientifiques du CAMES au sein de l'INPHB, c'est quelque part une reconnaissance finalement de l'activité, hein, du dynamisme de l'activité de recherche qui s'est opérée ces 10 dernières années au sein de l'Institut. Ça, c'est déjà le premier enjeu et le premier résultat majeur. Le deuxième élément, c'est finalement une confirmation des résultats excellents que nos enseignants-chercheurs qui vont au CAMES obtiennent, puisque d'année en année, les enseignants-chercheurs postulent au CAMES pour les passations de leur grade réussissent majoritairement à plus de 95%, des fois on fait des 100%. Donc ça montre justement le dynamisme de l'activité de recherche au sein de l'Institut. Et puis nous avons une particularité au sein de l'INPHP, c'est une recherche tournée vers le développement, une recherche appliquée. Et cela, on le tire finalement par la structuration même de l'Institut, puisque nous avons été créés pour accompagner l'industrialisation de notre pays. Et au sein de l'INPHB, nous avons un tissu industriel avec lequel nous travaillons depuis de longues années, et il a fallu justement approcher ces partenaires industriels pour essayer d'orienter notre activité de recherche. La thématique qui est proposée pour ces sixième journée internationale, sixième journée scientifique du CAMES, qui est recherche et innovation pour un développement durable en Afrique, ben, c'est finalement tout ce qu'on sait faire à l'INPHB, puisque systématiquement, nos activités de recherche ont pour but de donner un sens finalement. Nous produisons de la connaissance, nous développons des produits et nous travaillons à leur transfert sur le secteur productif en collaboration avec les entreprises partenaires avec lesquelles nous sommes amenés à travailler. Donc ça, c'est le premier élément. Et faire venir des jeunes Africains de 17 pays d'Afrique qui arrivent en Côte d'Ivoire à Abidjan, mais qui s'arrêtent pas à Abidjan, qui viennent jusqu'à Yamoussoukro, c'est la preuve aussi pour nous, c'est un moyen pour nous aussi de montrer quelque part ce qu'on sait faire ici à l'INPHB, ce qu'on sait faire en Côte d'Ivoire à l'INPHB, mais d'accroître également le rayonnement de notre établissement, de l'Institut, et entendre les différentes personnalités qui sont arrivées ici à l'occasion de ces sixième journées. Je pense que tous retourneront avec l'idée que en Côte d'Ivoire, vous avez un établissement de haut niveau, hein, qui bénéficie d'un cadre de travail, d'études assez impressionnant, assez intéressant, et qui permet justement de faire des choses intéressantes en matière de recherche et d'innovation, etc. Et la journée d'hier, elle est capitale. C'est une journée qui a réuni trois ministres, tous les ministres du secteur éducation-formation du gouvernement. On en vient à ça, c'est le bilan de cette première journée. Donc, que le bénéfice que l'INP justement gagne dans cette affaire, c'est bien ce que vous avez dit, le rayonnement de l'établissement et la reconnaissance des efforts de recherche qui sont effectués ici. C'est cela, monsieur le exactement, directeur. Exactement, exactement. D'accord. Monsieur le secrétaire général, si justement on devait dresser le bilan de la première journée d'hier, journée d'ouverture, conférence ministérielle, des panels thématiques, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme bilan? Et ensuite, le directeur général de l'INP qui reçoit donc l'événement, pour sa part également, va nous en donner son bilan. Très bien.
Merci, Monsieur Diarra, pour faire un peu la transition, rebondir sur ce que le DG de l'UMP HB a dit. C'est vrai que nous sommes très, très honorés d'être accueillis dans cette institution prestigieuse qu'est l'UMP HB. Le DG l'a expliqué en long et en large, les motivations du choix de cette institution. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons choisi aussi de travailler aussi à cause du dynamisme du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, qui, notamment à travers la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation, a, disons, entraîné, je dirais, a pris des décisions, vraiment des décisions assez importantes qui vont dans le sens de ce que nous devons faire au CAMES à l'échelle régionale. Des décisions vraiment novatrices par rapport au statut des enseignants-chercheurs, par rapport même à la recherche scientifique. Donc, c'est vraiment ces deux éléments qui ont fait que nous avons opté pour choisir de venir en Côte d'Ivoire et à l'INPSB. Pour revenir à votre question sur le bilan de la journée d'hier, il faut bien savoir que quand on parle de recherche scientifique, on parle d'abord de gouvernance de la recherche, c'est de la gestion de la recherche. On parle de l'effectivité de la recherche d'excellence, qui se passe dans des laboratoires de haute facture avec du personnel bien formé. On parle également de valorisation de la recherche, à travers notamment entre autres l'innovation, mais on parle également de la vulgarisation de la recherche. Donc nous avons voulu structurer ces journées scientifiques nouvelle version en trois phases essentiellement. La première phase devait consacrer la phase d'hier à la gouvernance de la recherche, à la gestion de la recherche. Cette phase était importante, elle était capitale pour nous, et elle était, disons, structurée en deux parties essentiellement. Une première partie, disons, politique, avec la conférence ministérielle inaugurale, qui a regroupé le ministre de l'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire, le ministre également de l'enseignement supérieur en charge de l'enseignement supérieur du Gabon et le ministre en charge de l'enseignement supérieur également du Congo. Était prévu également le ministre en charge de l'enseignement supérieur de la Guinée et le ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche du Maroc, parce que nous voulions respecter l'équilibre régional qui est vraiment sacré au CAMES, au moins Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Donc on avait deux ministres d'Afrique centrale, deux ministres d'Afrique de l'Ouest et aussi l'équilibre genre, deux femmes, deux hommes. Malheureusement, pour des questions d'indisponibilité, nous avons eu ces trois ministres, mais heureusement, parce qu'ils ont eu le temps de développer et leur politique de recherche. Et ce qu'on peut retenir de la journée d'hier, c'était exactement les résultats que nous attendions. Nous avons constaté que il y a des politiques diverses entre différents États. Chaque, pays a plus ou moins la même vision d'une recherche scientifique d'excellence et qui impulse le développement socio-économique et culturel des États. Mais avec, disons, des stratégies différentes pour pouvoir le mettre en œuvre. Et ce qui était intéressant aussi, c'était d'emmener un peu à une réflexion générale qui va nous amener vers une politique, je dirais, ambitieuse générale de la recherche à l'échelle du CAMES, parce qu'on n'oublie pas que le CAMES a pour objectif d'harmoniser, encore une fois, les politiques d'enseignement supérieur de recherche et les systèmes d'enseignement supérieur de recherche. Et donc, nous pouvons dire comme bilan que nous avons été vraiment satisfaits au-delà de nos espérances, parce que nous avons vu des ministres qui ont rappelé l'importance de la recherche scientifique, notamment pour impulser le développement, qui ont rappelé également les freins à la mise en œuvre de leur politique, notamment pour justement aller vers l'innovation. Le fait que, par exemple, on a une faiblesse des financements de la recherche, mais il faut rappeler également la volonté d'aller tous vers une, une politique ambitieuse et prête aussi à collaborer un peu. Et nous ont montré même la voie d'y aller vers une politique ambitieuse qui mettrait le CAMES au firmament du système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est-à-dire arrimé carrément aux institutions telles que l'Union africaine, telles que l'UNESCO, et cela à travers une diplomatie scientifique qui pourrait commencer par les anciens chercheurs. Il faudrait que nous montrions que la recherche est vraiment indispensable pour la vie. La COVID nous l'a rappelé très brutalement, mais nous nous sommes rendus compte que s'il n'y avait pas eu de recherche, la main nous a rappelé, s'il n'y avait pas de recherche menée en 2006-2007, sur des recherches, d'accord, sur la génétique, on n'aurait pas eu de vaccin PEG lorsque la COVID est arrivée.
Et la crise ukrainienne nous rappelle également que nous devrons aussi travailler pour être autosuffisants de manière alimentaire et se baser sur l'agriculture. Donc, du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir nous rappeler cela et d'aller vers cette diplomatie scientifique qui commence par le chercheur, comme je l'ai dit, mais qui va vers aussi ceux qui sont les décideurs, les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et qui devraient monter vers le chef d'État de telle sorte qu'on place la recherche par le ministre des Affaires étrangères, qu'on place la recherche à la place qu'elle mérite, de telle sorte que nous avons un développement durable, un besoin adapté aux réalités de l'Afrique. Et donc, pour cela, on peut dire que le bilan était positif par rapport à cela. Mais ensuite, la gouvernance de la recherche, c'est aussi les personnalités que nous avons invité les ministres, mais nous avons aussi tenu à inviter des personnalités scientifiques dans notre espace. Nous avons demandé au ministère de nous dire ceux qui portent la stratégie, ceux qui mettent en œuvre la stratégie, parce que la stratégie, la politique est définie par les chefs d'État, elle est portée par les ministres, mais elle est mise en œuvre à travers des stratégies par les directeurs généraux ou les directeurs en charge, donc, de la recherche. Et nous avons couru dans un premier panel, qui était dédié justement à observer les stratégies de recherche et à aller vers une harmonisation. Ce premier panel-là, nous avons été très satisfaits parce que nous avons eu vraiment des exemples éloquents du manque crucial de moyens pour mettre en œuvre les politiques ambitieuses. Mais nous avons vu aussi que les stratégies étaient aussi différentes d'un pays à l'autre. D'où le besoin d'harmonisation, mission pour laquelle le CAMES a été créé. Et donc, c'était très intéressant de voir aussi, comme bilan de ce premier panel, que les personnes responsables de la mise en œuvre de la stratégie sont d'accord pour se mettre en réseau sur la coupe du CAMES, afin justement d'avoir une stratégie ambitieuse à l'échelle du CAMES pour mettre en œuvre des politiques ambitieuses. Ensuite, nous avons eu le panel sur le financement de la recherche. Parce que, évidemment, les deux premiers panels nous ont montré clairement que le problème réel de la recherche, c'est le financement. C'est le financement, mais c'est aussi, disons, la faible valorisation de la recherche, mais qui est liée souvent au financement. Donc, le manque de financement de la recherche. Eh bien, ce panel a été très intéressant aussi parce que nous avons invité des organismes en charge du financement de la recherche au Burkina Faso, le Fonds RIV, et en Côte d'Ivoire, le Fonds SCIV. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui était là dans ce panel. Et nous sommes rendus compte également qu'il n'y a pas de chemin précis de financement de la recherche et que c'est souvent des financements qui ne sont pas planifiés, c'est des financements qui sont très courts, qui sont sur de courtes périodes, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats intéressants en matière de recherche lorsqu'on a des financements d'un an, deux ans, trois ans. Non, la recherche a besoin de financement durable. Je vous donne le cas du vaccin développé par les Allemands. C'est près de 40 ans après que voilà, on arrive à des résultats. Et donc, le bilan qu'on tire de ce panel était très intéressant, c'est aussi qu'il faudrait réfléchir à un modèle économique adapté pour la recherche au sein du CAMES. Et le panéliste nous a donné des recommandations intéressantes que nous allons intégrer justement plus tard. Ensuite, toutes les recommandations de tous les panels, voilà. Bon, je vais juste résumer les autres panels. Après, on a eu très intéressant sur le financement de la recherche. Il y a eu aussi un panel vraiment assez intéressant sur la question aussi de la valorisation de la recherche. La question de la valorisation de la recherche, nous avons aussi eu des recommandations intéressantes pour aller vers une valorisation probante de la recherche, vers une recherche scientifique qui impacte vraiment la société. Et le CAMES est déjà bien en avance. Hein. À travers notre dernier guide, nous avons ce qu'on appelle les services à la société et les services à la communauté. C'est très différent. Service à la communauté, c'est ce qu'un enseignant chercheur peut faire au sein de son institution ou bien dans le milieu académique pour avancer les choses, des questions de responsabilité, tout ça. Mais le service à la société, c'est ce que la recherche peut apporter à la population. Et ensuite, nous avons eu un panel aussi très intéressant après la valorisation sur l'édition scientifique. Non, j'en reviens, l'édition scientifique, c'est un problème réel. Parce que quand on parle de valorisation de la recherche, il y a aussi la valorisation en termes de position scientifique comme la valorisation secondaire. Et il y a une crise de l'édition scientifique. Et on est tous d'accord pour aller vers une base d'indexation commune portée par le CAMES. Et le dernier panel était très intéressant, c'était sur la question des écoles doctorales.
Et là aussi, nous sommes allés vers une collégialisation après avoir fait l'état des lieux, évidemment, des divergences. Nous sommes d'accord pour aller vers une collégialisation à travers la création des collèges des écoles doctorales du CAMES. Donc, je peux dire que cette première journée, en gros, a atteint ses objectifs. De manière très claire, nous avons eu des recommandations très importantes qui vont enrichir le futur plan stratégique de développement du CAMES. Monsieur le secrétaire général, merci beaucoup. Monsieur le directeur général, vous, en tant que maison hôte, l'INPH les reçoit à un événement. Pour cette première journée, est-ce qu'elle s'est déroulée comme vous le souhaitiez? Bien. Pour nous, ces journées ont démarré depuis le mercredi. Puisque nous avons reçu la première délégation du CAMES. C'est du dernier, près d'une semaine. Voilà, près d'une semaine déjà. Parce que dans l'organisation, ce qu'on voit finalement, c'est le résultat de plusieurs semaines de préparation. Et déjà, mercredi, les premières délégations du CAMES ont commencé à arriver à Yamoussoukro. Ensuite, le vendredi, la deuxième délégation est également arrivée à Yamoussoukro. Et depuis samedi, on ne fait que recevoir finalement toutes les personnes, les participants qui sont venus de différents pays et dont l'accueil a démarré déjà depuis l'aéroport d'Abidjan. Et c'est le lieu de remercier Côte d'Ivoire Tourisme, hein, qui a reproduit son protocole d'accueil qui avait été mis en place à l'occasion de la Cannes précédente, puisque les participants venus de l'étranger étaient tout de suite accueillis dans un pavillon au sein de l'aéroport directement. Ils recevaient des rafraîchissements, etc., pour leur montrer finalement que la Côte d'Ivoire est la terre de l'aquaba, de l'accueil, de l'hospitalité, etc. Donc ils viennent avec cette image. Et c'est aussi le lieu de remercier le comité national d'organisation qui avait été mis en place et qui a été présidé par le professeur Sangaré, hein, de l'université, vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny, qui a fait un travail magnifique. Donc en fait, en réalité, ce sont toutes les universités de Côte d'Ivoire qui se sont associées pour permettre justement la réussite de ces journées-là. Chacune des universités a mis à la disposition du comité d'organisation des bus. Les participants sont venus, plusieurs dizaines de bus ont été mobilisés pour les acheminer depuis Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Donc ça, c'est le premier élément. Donc les journées ont commencé depuis mercredi dernier, samedi, dimanche, etc. Et puis ensuite, ils arrivent à Yamoussoukro, il y a à peu près 1000 participants, on va dire 800 personnes présentes physiquement, qui se logent dans les hôtels de Yamoussoukro. Donc il y a toute la logistique également à mettre en place pour aller les chercher, pour commencer des activités qui démarrent à 8 heures, etc. Donc c'est une mobilisation de tout le personnel de l'INPHB qu'il faudra aussi remercier dans le cadre de cette, qui sont véritablement impliqués pour que ces journées-là puissent être de très belles journées. Donc le comité local d'organisation qui est dirigé par le professeur Akaki, qui fait un boulot formidable. Et puis, le succès de ces journées, ça a été la participation des trois ministres du secteur éducation-formation. Hein, madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui sont finalement trois acteurs indispensables de notre système d'enseignement, de notre système d'éducation et de formation. L'éducation de base, la formation de base, qui est indispensable pour obtenir les compétences nécessaires, les compétences de base, pour comprendre tout ce qui pourrait être développé plus tard dans l'enseignement supérieur. L'enseignement technique, la formation professionnelle, qui est indispensable pour traduire finalement, accompagner le processus d'industrialisation de nos pays. Ce sont des agents qu'on va retrouver dans les unités industrielles, dans les laboratoires, pour accompagner finalement, sur le plan technique, en fait, tout ce qui va se faire en matière de recherche et de développement. Et puis l'enseignement supérieur qui complète finalement la formation, fait monter un peu en compétences et puis surtout initie aux activités de recherche. Et les centres de recherche également étaient présents. Plusieurs centres de recherche au niveau national étaient également représentés ici, le CNRA, le CRO, tout ce qu'on peut imaginer. Le FONSTI a été évoqué à l'instant par Monsieur le secrétaire général du CAMES, qui est un dispositif important, hein, dans notre système pour le financement de la recherche au niveau national. Et puis, pour la réussite de ces conférences, comme le secrétaire général l'a dit à l'instant, il y avait des ministres qui étaient présents, mais il y avait aussi des ministres qui étaient à distance. Et il fallait réussir l'exploit, en fait, de faire une conférence
on va dire en duplex, ça s'est réalisé sans bug. Vous imaginez si dans un établissement polytechnique on fait une telle conférence et puis il y a un bug. Là, c'était vraiment un enjeu également pour nous de réussir en fait le déroulement de cette de cette conférence. Et puis la couverture, en termes de communication, la couverture médiatique, je vois un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias. À une journée seulement de l'événement, déjà hier sur la page du gouvernement, c'était déjà relayé. Bien que nos équipes en charge de la communication aussi ont été à pied d'œuvre pour que il y ait un réel retentissement en fait de ces journées-là, pour que ces journées scientifiques du CAMES soient connues au plan national, mais plus aussi avoir une visibilité au plan international. Donc les moyens ont été mis en place, mis à la disposition de l'INPHB pour que ces journées puissent réussir et pour que l'image de la Côte d'Ivoire aussi puisse réussir à ce niveau-là. Le gouvernement tout entier a été mobilisé puisque pour que ces journées soient organisées, il faut bien que le pays hôte, le pays qui accueille, participe au financement en fait de ces journées. Et le gouvernement a participé à plus de 55% à l'organisation de ces journées. Les universités de Côte d'Ivoire et l'INPHB a participé également à près de 30%. Et puis le CAMES également a contribué. Donc c'est tous ensemble que nous avons participé justement à la réussite de cet événement. Et visiblement, vous en êtes satisfait. Vos félicitations, monsieur général, monsieur le secrétaire. Et pour les dernières journées, il y en a trois, hein, aujourd'hui, demain, jeudi. Comment vous les voyez, ces journées? Ce sera ma dernière question. Bien, aujourd'hui, les panels se poursuivent, mais il y a aussi des activités thématiques qui vont commencer, qui ont commencé depuis ce matin. Donc, les programmes thématiques de recherche sont s'effectuent finalement, les rencontres s'effectuent dans les salles. Il y a près d'une vingtaine de salles qui ont été mobilisées, dans lesquelles il y a eu la connexion Internet qui a été également déployée, puisque donc, pour chacun de ces programmes, il y a des participants qui sont encore à l'étranger, qui également participent aux échanges. Donc, une vingtaine de salles mobilisées pour que les différents programmes thématiques de recherche puissent se tenir. Et puis un dîner gala, il y a jamais un colloque sans un dîner gala, donc qui va se dérouler mercredi. On travaille aussi à ce que cela puisse se faire dans les bonnes conditions. Et la cérémonie de clôture, hein, qui va être aussi une cérémonie importante au cours de laquelle les conclusions pourront être données de ces différentes journées et les résolutions fortes pourront être apportées. J'espère que, et c'est ce qui a été promis, l'appel de Yamoussoukro sera entendu, sera prononcé et que ce sera entendu. Et de sorte que, finalement, dans l'histoire du CAMES, la ville de Yamoussoukro puisse être retenue. Nous allons parler de l'appel de Yamoussoukro. Et cet appel aura eu lieu où? À l'INPHB. Donc finalement, nous resterons quelque part liés à l'histoire du CAMES. Ouais. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, alors, il l'espère bien, hein? Nous met la perspective. Alors, la perspective pour les dernières. Oui, merci, merci beaucoup. Donc, je voulais revenir un peu à l'association de la première phase que je dis, c'est la gouvernance, la gestion. Ensuite, également, parce que les chercheurs sont considérés comme étant dans leur vase clos tant que nous ne livrons pas la science. Tant que la science ne va pas vers les populations et que les populations ne vont pas vers la science, on ne saura pas l'importance. Et donc, il y a une question, il y a aussi une question qui est importante. Il était lancé aussi hier et qui vient se préciser tout le long de la science. Ensuite, la seconde phase, je vais je faut savoir que le CAMES a 12 programmes thématiques de recherche. C'est des thématiques groupes, la santé, à la sécurité, à la diversité, au climat, à la biodiversité, à l'éducation. Mais par tout ça, les participants, se sont inscrits, sont là actuellement. Je pense que c'est ma plus. 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 Je
dans cette question, dans ce mois, finalement, de cette sélection, c'est pour arriver d'avoir dans les groupes. Donc, ils ont vraiment du travail à faire. Et nous avons le comité scientifique international indépendant. De restructurer et de réorganiser avec une gouvernance appropriée qui permet justement que les participants au programme thématique soient représentatifs. À l'image de ce qui est c'est là que nous voulons aller. Maintenant, la communauté académique scientifique des 19 États membres du TAMES, nous espérons aller à l'heure de Dieu, des 19 États membres du TAMES. Un conseil de ministres, le concours d'agrégation, et c'est vous, la suite de ce Je suis le docteur de l'éducation. Chers collègues,
Qui sont au service de la société, même au niveau des scientifiques et de l'enseignement, de sa ligne de lecture. C'est ce qu'on a dans le monde. Merci. Père Général, vous, si vous avez droit à un dernier mot, vous avez 30 secondes également. Merci Hamza Diaby pour cette interview, ce plateau. Je dirais que nous sommes heureux. Nous sommes heureux à plusieurs titres. Déjà que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique nous a fait confiance pour porter en fait au sein de l'INPHB cet événement d'envergure internationale. Vous savez, le ministre dit souvent que l'INPHB est le fleuron de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et le fait d'avoir accordé à l'INPHB d'abriter un tel événement de haut niveau, il vient confirmer ce que lui-même reconnaît, le dit, et ce qu'il souhaite véritablement pour l'INPHB, d'être cette locomotive de notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique. Nous ferons de notre mieux, et nous avons déjà commencé à le faire, pour que, au travers de toutes les actions que nous allons mener lors de ces journées scientifiques, que ce soit l'image de notre ministère en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, qui soit également reconnu au plan international. Parce qu'en réalité, le mérite lui revient, puisque c'est bien lui qui a dû, qui a été amené à convaincre, à présenter le projet auprès du gouvernement, pour qu'il soit adopté en communication au Conseil des ministres. Donc c'est un événement important pour nous. Et nous nous attelons justement à ce que ces journées-là puissent contribuer finalement au rayonnement de l'ensemble du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Je voudrais saisir également l'occasion pour remercier tout le comité d'organisation, le comité national d'organisation depuis Abidjan, le comité local d'organisation, tous les membres du cabinet qui sont présents depuis plusieurs mois, plusieurs semaines maintenant, pour que cet événement important pour la Côte d'Ivoire, important pour notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique, puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Et puis rappelons-le, nous sommes dans une phase d'exercice au CAMES qui est portée par la Côte d'Ivoire, puisque le président en exercice du CAMES est un des nôtres. Donc quelque part, au-delà même du fait que... le secrétaire général. Puisque au-delà même du fait que nous œuvrons pour notre système d'enseignement supérieur, mais nous œuvrons également pour la mandature de la Côte d'Ivoire au niveau du secrétaire général du CAMES. Donc il y a en fait un symbole trop grand, hein, à plusieurs titres, plusieurs niveaux, plusieurs échelles, pour que ces événements-là soient de très, d'une réussite vraiment éclatante, hein, pour l'INPHB, pour le ministère et pour la Côte d'Ivoire tout entière. Puisse-t-il en être ainsi? Monsieur Wally, juste un mot, parce que c'est vraiment important. N'oublions pas. Franchement, je voudrais de remercier le comité national d'organisation, de remercier le ministre qui nous fait l'honneur de participer, le ministre du Congo et le ministre du Gabon, mais surtout les 1185 participants des 17 pays qui ont fait le déplacement en termes de l'ONU. Il faudrait que vraiment on les remercie. Vraiment, soyez remerciés, 5 amas nouveaux. Je dirais que c'est du jamais vu au niveau des journées scientifiques et c'est un des temps nouveaux. Voilà, je m'excuse de vous dire que c'est très important. Donc, ça nous démontre que ces journées scientifiques sont elles aussi organisées de la meilleure des façons au sein de la CAN l'avait été. Merci au directeur général de l'INPHB, M. Abdelkader Moussa Diaby. Merci à M. Souleyman Konaté, le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur.